Ouais, on va essayer comme ça. Descends la corde et descends un sac pour mettre les boulons. Donc à l'origine, le sentier arrivait derrière nous, au-dessus, là, 80 mètres plus haut, voilà, il y a une quinzaine d'années à peu près. Après, donc, on a rajouté des bouts de corde, des trucs. Ça devenait tellement instable qu'on est parti sur l'idée d'équiper ces échelles. Et donc on a démarré juste là-dessous, là, quelques mètres en dessous, là où il y a notre ami Gérard. Là. Donc juste là, et on abordait facilement le bas des échelles depuis le glacier. Donc là, il est facile de voir qu'en 7-8 ans, ça s'est complètement déstabilisé. Le glacier est descendu de, allez, on va dire de 30 ou 40 mètres. Et puis surtout, on n'a plus la possibilité de rajouter des échelles, parce que quand on voit les blocs qui sont là-dessous, c'est vraiment du terrain qui est très très instable. Et rajouter des échelles, ça aurait été une solution dangereuse d'abord, et puis ensuite sans fin, parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer, si le glacier va complètement disparaître. S'il y a des surplombs, s'il y a des dalles, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'était venue l'idée du nouveau sentier. Et le deal qu'on avait, enfin c'est pas un deal, c'est une solution logique avec la réserve, avec qui on a bien travaillé, bien collaboré, c'est vraiment très très bien passé. C'était de dire on fait ce nouveau chemin et effectivement on démonte tout ce qui a été installé dans les 10 dernières années de façon à restituer le lieu dans son état original. Quoi. Voilà. Première partie en bas, tu vois. Ouais. Et puis ça sort au sommet de la tête. Gaffe, Christophe. Tout pouvoir bon.